on choisit file, new. File, new. On choisit projet. Oui. Hmm? Non, projet seulement. On choisit projet seulement. Projet. Pas Java projet. New projet seulement. Allez-y, new project. Vous allez voir quelle page Java FX. Cliquez sur la flèche et déroulez Java FX. Et vous sélectionnez Java FX Project. Choisissez Java FX Project. Et vous cliquez sur suivant. C'est Java FX tout simplement. En principe, ça doit être fermé. Vous cliquez pour dérouler et choisissez Java FX comme ça. Et vous cliquez sur suivant. C'est tout, c'est pas Java librairie, hein. C'est Java FX tout simplement. C'est bon, vous le voyez? Voilà, suivant. Voilà, on va donner ce nom. JDBC FX. JDBC. Je vais l'écrire en minuscule. JDBC FX. Bon. Moi, je vais ajouter LP. Eri. Voilà. BO. Pourquoi LP Eri ça? C'est BO quoi. Okay. Voilà, donc on ajoute ici LPRI BO. Bon, vous pouvez me pas afficher hein, parce que moi j'ai déjà un LPRI là. Donc moi j'ajoute en fait BO ici. LPRI BO, oui. Hein? C'est pas ça, LPRI. Hein? C'est deux? C'est deux? Ah, il y a RPRI. RPRI. Bon, c'est pas grave. RPRI. Oui, oui. C'est RPRI qui a plus de chance. Donc, on prend RPRI. Après le deuxième projet, on prend RPRI. Ah, ok, il y a RPRI aussi. Ah, d'accord. Donc, je vais mettre RX alors, réseau. RPRI, réseau seulement. Voilà. Réseau informel ou réseau téléphone. Voilà, donc c'est RX. Ok, c'est BO, voilà. De toute façon, même, on peut dire que c'est BO seulement. Voilà, ok, suivant maintenant, next. Vous avez cette interface. Bon, si tout ne cochez rien du tout, en fait seulement des suivants, suivants jusqu'à la fin. Et ne cliquez pas également sur finish, faites des suivants, suivants. Voilà, jusqu'à la fin, maintenant vous cliquez sur finish. À la fin, cliquez maintenant sur finish. Voici mon projet. Vous faites double clic cette fois-ci. Bon, les autres projets, il n'y avait pas de main, hein? On ne crée rien du tout, mais cette fois-ci, vous avez créé un package qui va nommer application. Et dans application, vous avez vu qu'il a automatiquement créé un fichier nommé main.java. Voilà. Bon, avant d'expliquer le code, on va exécuter pour voir le résultat qu'on aura. Ouvrez le fichier main et vous cliquez sur run. Exactement. Cliquez sur run. Si ça marche pas, bon, on fait clic droit sur main, run as Java application aussi. Si ça marche pas, vous pouvez clic droit sur le main, run as et vous choisissez Java application. Et voici l'interface qu'on a. Cette fois-ci, on n'a plus console, mais on a maintenant une interface graphique. Vous voyez qu'il dit pour le moment, il n'y a rien, oui. Pour le moment, oui, c'est vite. Après, c'est à nous maintenant de créer les composants. Hmm? File setting. Windows préférence. C'est bon, ça marche? Windows préférence. Windows, non, non. Oh, Windows. C'est bon. Vous avez ce résultat? Okay. Windows préférence. Préférence. Le Windows préférence. Préférence. Windows préférence. Choisis Java maintenant. Java. À gauche. De nous, je clique sur la flèche. Apparence. Apparence en haut. Il n'y a pas de color en fond là-bas. Color en fond. Attends, je regarde. Donne-moi. Thank you.
Oui, tu ne vois pas jamais Riz. Ton équipe, c'est quelle équipe en fait? Est-ce que l'équipe que moi je vous ai donnée? Non, j'ai dit, est-ce que l'équipe que moi je vous ai donnée? Tu penses? Tu ne l'as pas téléchargé? Est-ce que tu n'as pas téléchargé, j'ai dit, toi-même? Maintenant, on va ajouter, bon, pour le moment, ça, l'interface, ça ne nous intéresse pas. On se concentre d'abord sur la partie métier. On crée d'abord tous les packages, comme .cool.dao, en minuscule, comme .cool.entities, comme .cool.ui.surface.ui, mélange, ainsi de suite. Allons-y rapidement, on crée les packages d'abord. Faites clic droit sur source, SRC, new, et vous choisissez package. Premier package, ça sera comme .cool.dao. Ensuite, deuxième package, pom.cool.entities. S'il a le désir, tu donnes ça rapidement. Si. Le projet que je viens de voir. Comme un coup, un minute par détail. Les UI c'est pour les user interface, là on va mettre les interfaces graphiques. Entity c'est pour les classes et DAO c'est pour les get SQL. Voilà. Tout ce qui est UI c'est pour interface graphique en fait.
Ça y est pour les packages? Voilà, passons maintenant d'abord classe. On doit créer db.java et toutes les interfaces qu'il y a du e-saison, e-village, e-ménage, e-village, e-détail, e-surface, etc. Toutes les interfaces au niveau de db, de DAO. Voilà. On commence par db. D'abord, première classe, ce sera db.java. Db seulement. Les interfaces maintenant. E-village. E-ménage. E-saison. Au niveau des intervalles, vous devez voir l'icône I. Hein? I récolte. I récolte. C'est après I récolte, nous avons I surface. Donc c'est e-détail, e-ménage, e-récolte, e-saison, e-surface et e-village. 2, 4, 6. Oui? Ah oui, au niveau des entités, oui, c'est de la même. On passe maintenant à la création des classes. Si vous terminez avec DAO, on passe maintenant à Entity cette fois-ci. Donc dans DAO, nous avons seulement db.java, e-détail, e-ménage, e-récolte, e-saison, e-surface et e-village. Ce sont toutes des interfaces, sauf DB. DB est une classe. Oui, bon, c'est pas grave, ça c'est plus simple quoi. De toute façon, même si après tu vas continuer avec cette logique, ça dépend. Ok, alors je vais en créer les classes. Cette fois-ci, c'est clic droit nouveau. Clic droit nouveau, interface. Si, si, on va les mettre, mais c'est un peu compliqué quoi. On définit ce qu'on va faire après, on va les implémenter. Ça va, on avance maintenant. Voilà, on crée maintenant les classes au niveau de entities. Village, ménage, record, etc. Si tu veux. Allez-y maintenant au niveau de entities pour créer les classes. Première classe village. D
deuxième place, ménage. Troisième place, saison. Saison. Quatrième place, détail. Bon, je suppose que détail, c'est détail saison. Hein. Détail. Après détail, on va créer une classe pour la récolte. Donc, une classe pour les surfaces. C'est bon. Voilà, allons-y maintenant pour la création de... Je commence par le village. Suivez, suivez. Ok, village est... Suivez, suivez. Village est caractérisé par un ID et le nom. Donc c'est privé. Int. IDV. Privé. String. Après ça, maintenant, getter service. C'est OK pour village. On passe à ménage. Pourtant, tu peux continuer avec ça en attendant. Après, tu vas copier-coller. Oui. Oui, bien sûr. Générer getter setters. Pour créer les pagaies seulement après coller. Après, tu copies, tu colles. Int. Idem. Ensuite. Privé. Nom famille. Voilà. Et on n'oublie pas que chaque ménage habite dans un village. Voilà. Village femme. On va ajouter ici IDV de type village. Ok, ça va? Ah, faites quoi?
Guettez, guettez, clique droit source et vous générez. Voilà. Après ménage, on passe à saison. Après ménage, allez-y à saison. Saison, c'est libs et ids. Libellé de la saison et l'ID de la saison. Non, saison n'est pas liée à ces éléments. Voilà, on passe maintenant à détail. En détail, nous avons private int année, on a private période, période est un string. Puis n'oubliez pas, dans détail on doit y avoir l'ID de ménage et l'ID de la saison. Voilà. Donc ici, on aura un private. Ménage d'abord. IDM. Un private encore. Saison. IDS. Pour chaque saison, nous avons un ménage. Mais chaque détail saison est associé d'abord à une saison et à un ménage. Pour une année donnée et pour une période donnée. C'est bon. Voilà, on génère. Getters et setters. Voilà, on passe maintenant à l'école et à surface. L'école. Thank you.
Oui. Hein? Hmm? Hmm? Unité. Lui, c'est chaîne. Parce que c'est kilogramme ou bien tonne, et ça donc c'est strict. Puis on n'oublie pas également ID. Ceci doit migrer à ce niveau. Donc on doit ajouter même là-bas en fait un ID. Donc on ajoute là-bas un ID. Ouais. Ou bien c'est pas grave. On suppose que, parce qu'en général, bon, on vous a expliqué ça au niveau lorsque vous faisiez avec Mary. Ceci c'est comme une relation. Si vous avez une relation de plusieurs à plusieurs, la relation devient une table, dont la clé est la concaténation des objets qui forment la relation. Là, il y a le même principe, on peut ne pas former en fait ici des clés. La clé c'est quoi? C'est la clé de ça concaténée avec cette clé. De fait, comme ici c'est en programmation orientée objet, on peut dire que la variable qu'on va déclarer sera des détails, mais il n'y aura pas une clé primaire, unique. La clé primaire est formée par ces deux. Pour chaque ménage, il y a toujours en fait une saison, pour une année et pour une période bien précise. Donc là, on peut déclarer directement privé détail, privé comme ça, privé espace détail, espace, je l'appelle ID, par exemple, D. ID, c'est comme ça, c'est le type détail. Côté base de données, côté base de données. Côté base, ça va me fatiguer. Parce que pour faire migrer, je suis obligé de faire migrer des déclins en même temps. Ça, c'est compliqué. C'est pas grave. On ajoute ici. C'est bon comme ça, là c'est bon. Mais de l'autre côté, ajoutons en fait un IDD ici au niveau des détails. Oui, oui, sinon ça va me fatiguer tout simplement. Ici, ajoutez là un privé IDD. Oui, dans le détail. Sinon ça va me fatiguer. C'est possible, mais vraiment ça va me fatiguer pour rien du tout. Ça sera que les primaires obtiennent incrément, donc ça va nous faire fatiguer du tout. Hmm? Là, nous, on a exprimé ça et ça. Oui, c'est ce qui doit venir, mais ça devient maintenant plus compliqué que ça. C'est plus simple si tu fais une décision en détail ici. Donc, créez ici maintenant IDD, là, et vous revenez au niveau de record. Vous pouvez maintenant ici détail IDD. N'oubliez pas, dès que vous ajoutez un ID ici, il faut également générer son getter et son setters. Faites clic droit, source, getters and setters, comme ça vous sélectionnez seulement l'ID pour vous donner l'ajouter. Clic droit, source, getters and setters. Voilà. Cette fois-ci, il y a seulement IDD qu'on va vous montrer, que vous sélectionnez, voilà, et le getter setter est créé en bas. N'oubliez pas cette étape, il faut le créer. Hein? Hmm? Non, non, dans le détail ici. Dans le détail, on n'est pas encore dans la surface. On n'a pas encore touché la surface. C'est ça que j'ai ajouté. Je suis dans le détail. Hein? Récolte là. ID récolte quantité, unité. Et l'ID détail qui doit migrer. Parce que là c'est one et là c'est many. Donc c'est one qui migre ici, c'est one également qui migre de l'autre côté. Comment? Oui, elle récolte dans la surface aussi. Et pour le moment, nous sommes dans la surface, dans la récolte. Donc, gérer ça, privé, détail, IDD. Puis, on génère un principe. Source, getters and setters. C'est un projet, c'est un vrai projet. C'est un vrai grand projet. On ne va pas terminer, on va seulement gérer des essentiels. Et maintenant, oui, c'est même que je vous donne ça, vous allez le compléter. Ça sera votre projet. Ça, c'est facile. Il y a beaucoup de choses à gérer ici. C'est énorme en fait. Beaucoup de choses à gérer. Ok, ce qu'on a fait maintenant avec récolte, on va faire presque la même chose avec surface. Ah, encore. C'est bon. Allez-y maintenant au niveau de récolte. Oui, récolte. Ah, surface plutôt, surface.
SU. SU. V8. SI, surface aménagée. PV, string, unité. Est-ce que c'est en hectare, en kilomètre? Si c'est vraiment un vrai agriculteur, c'est les kilomètres qu'il va cultiver. Il y a des gens quand même, bon, c'est le vrai agriculteur. Mais si c'est un petit agriculteur, maintenant il va aménager des hectares. 150 hectares, 300 hectares, etc. Mais des kilomètres non, ça c'est vrai agriculteur en fait. Mmh. Ça existe en même temps. On n'oublie pas, on doit également faire migrer le détail dans surface. Oui. Oui. Détail IED. Puis vous générez maintenant les guetteuses et les setteuses aussi. Voilà, enfin on a terminé avec la partie classe. Je vais maîtriser maintenant comment on crée une classe. Hein? Si on crée au moins 6 classes. Je suis ces éléments vraiment de maîtriser la création des classes. Voilà. On passe maintenant à ce fichier qui est le plus important dans l'application, ça. Parce que c'est lui qui gère la connexion à la base et c'est lui vraiment qui va nous aider dans beaucoup de choses. Beaucoup même, oui. Le fichier DB. Oui, oui. Pourquoi dans surface? Parce que c'est ça, one. C'est le one qui migre. Si on dit que tu as aménagé combien de surface, c'est-à-dire combien d'hectares en fait, plutôt, combien d'hectares une surface aménagée, il faut dire que je l'ai aménagé pour cette saison et pour cette famille. Mais ces informations, tu peux nous détailler. Et ce qu'il faut préciser également, c'est pour quelle année, quelle période. Année 2017, de juillet à septembre, la famille d'où pour l'année la saison hivernale, il a aménagé combien d'hectares. C'est ça en fait la réponse. 2017, de juillet à décembre, la famille du village de ce village, pour la saison hivernale 2, il a aménagé ceci et il a récolté ça. C'est ça en fait. Ce sont des questions maintenant qu'on va te déposer. Voilà, oui. Pour l'année 2012, donne la surface totale aménagée pour telle famille ou bien pour tel village. Oui. Oui. Oui, pourtant il est en relation avec les deux, mais on l'appelle classe d'association. C'est une classe qui découle de la liaison entre ces deux. Vraiment. C'est pour ça que les deux étaient au milieu. Voilà, allons-y maintenant au niveau de DB. Je l'ai expliqué tout à l'heure. L'API JDBC est à l'intérieur de ce package import. Java.sql. Je vais les prendre un à un. On peut seulement écrire sql.étoile. On va tout intégrer, mais on va intégrer un à un pour comprendre en fait les éléments. Je vais prendre d'abord result7. Result7. C'est pour les requêtes select. J'importe le désir. Import java.sql.connection. C'est pour le type de la connexion à la base. Connection. Okay. J'importe encore, import java.sql.preparedStatement. Okay. Enfin, import java.sql.driverManager. Des pilotes JDBC. Voici les éléments dont j'ai besoin
pour gérer tout ce qui est connexion à la base, exécuter la requête, exécution de la requête SQL. J'ai besoin également de statements. Statement, c'est pour la récupération des clés primaires auto-incrément. Là, nous sommes dans la classe DB, hein, qui est dans com.cours.dao. Nous allons maintenant déclarer des attributs. Un attribut de type résultat 7 en privé. Donc d'abord je vais ajouter quelques commentaires, hein, pour l'ouverture, oui, de la connexion, oui, de la phase. Oui, oui, ce que je vais faire ici, je vais ajouter des commentaires pour chaque variable. Private connection. À chaque fois que j'utilise maintenant le type, automatiquement, il faut le regarder ici. C'est le commentaire qui va être ici. Résultat 7 est utilisé pour la récupération des résultats des requêtes de type select.
équipes de type Mage maintenant, c'est-à-dire INSEAD, Update et Delete, elles sont toujours en native. Une ligne insérée, ou bien une ligne modifiée, ou une ligne sécurisée, c'est toujours en native en fait. Maintenant c'est la création des méthodes. On doit mettre, créer une méthode qui s'appelle getConnection et permet d'ouvrir la connexion à la base. Une méthode qui s'appelle initPrepare qui initie la requête SQL. Bon, ce matin je vous ai un peu expliqué. L'objectif de la requête préparée, c'est pour éliminer les injections SQL. Il y a des gens qui peuvent essayer d'accéder à votre application sans login ni mot de passe. Si vous ne gérez pas très bien la requête SQL, surtout avec ça, ça ne marchera pas, automatiquement ils vont entrer dans l'application. Puis, comme ici nous avons deux résultats, ici pour les requêtes, il y a les requêtes en consultation qui retournent un exit set et les requêtes en mise à jour qui retournent un entier. On va également avoir une fonction qui s'appelle execute mage pour les requêtes insert, update, delete, execute select pour les requêtes de type mise à jour. Donc on a besoin ici de quatre fonctions: get connection, init prepare SQL, execute mage, execute select. Alors allons-y, on les définit rapidement. Première méthode c'est get connection, c'est le public espace void. Espace, on l'appelle get connection. Dans la première méthode. La deuxième méthode publique, espace void. On l'appelle init. Prépare. Qui reçoit. Une requête SQL. Troisième méthode. Bon, celui-là, pour augmenter la sécurité, on peut mettre en privé. Voilà, donc cette fois-ci, exécute. Voici les quatre méthodes qu'on va essayer d'implémenter. GetConnection permet d'ouvrir la connexion. Init permet d'initialiser les requêtes ou bien de préparer les requêtes. ExecuteMage permet d'exécuter les requêtes de type mise à jour. ExecuteSelect les requêtes de type select. Le
c'est pour exécuter les requêtes de type mise à jour, c'est-à-dire insert, update et delete. Exécute select, c'est pour select un mot. Voilà, dans init, vous appelez la méthode execute, la méthode getConnection. Ça va? Définir un try catch dans get connection. Dans get connection, définissez d'abord un try catch. Voilà, nous avons en fait besoin de l'URL. Mot de passe ainsi que le user. Par défaut sur MySQL, le user c'est bon. Avec MySQL 2 c'est root par défaut. Et le mot de passe? Il n'y a pas de mot de passe. Si vous ne mettez pas ça, ceci est un mot de passe. Hein. Si vous mettez chaîne 8, vous dites que je ne vois pas en fait un user qui a son mot de passe. Ne mettez pas d'espace, mettez seulement chaîne 8. Ouais. Si vous mettez password avec espace, vous dites que je ne vois pas ce user. Oui, l'erreur que j'avais définie c'était quoi? C'était JDBC, c'est-à-dire que c'est le protocole. Deux points, MySQL. Deux points, double slash, voilà, localhost. Deux points, le port de MySQL c'est 3, c'est 33.
06. Et la banque, on va l'appeler comment? Enquête FX. Enquête FX. Voici les paramètres de connexion à la base. JDBC 2 points, MySQL 2 points, double slash, local host 2 points, 3306 et le nom de la base. La base, on va l'appeler enquête FX. Oui. Même, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est MySQL pour FX en fait, c'est pas le serveur. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est MySQL qu'on utilise. C'est pas en fait le WAM ou bien les AMP qui est important, mais c'est MySQL qui est important. La base de données. Le GVD quoi. Hein? Hein? Pour? Quel fichier? On précise, oui. WAM aussi on précise. Seulement, WAMP est plus facile. WAMP commande seulement le chemin du clic. Mais tu précises, hein? Ok, puis comment on fait maintenant pour charger le driver? Classe point. Pour charger le driver. Ah, vous n'avez pas écrit ce que j'ai écrit le tableau tout à l'heure. Classe point for name. Puis vous mettez le chemin d'accès au driver. Si tu fais respecter les conventions, c'est com en minuscule. com.mysql mysql.jdbc.driver avec des majuscules. Driver est la classe. com.mysql.jdbc est le package. Ceci permet de charger tout simplement le driver. Cette ligne, le chargement du driver dans l'application. Comment on fait maintenant pour résoudre la connexion? CNX reçoit. Très bien. Driver manager. Point get connection. Là, on lui passe trois paramètres. Les trois paramètres sont l'URL, le user, ainsi que le password. De quoi? C'est l'API. C'est Java Database Connectivity. C'est la convention. Mais ça, c'est un paquet tout simplement. Ça veut appeler. Bon, on va le comme vous voulez. Hein. Mais ça, on l'utilise réellement. Pour tous ces connexions à la base, on l'appelle ça JDBC. Voilà, ici, c'est bon. Parce qu'il y a différents. Il y a également Hibernate, il y a JPA. Mais ici, nous, nous utilisons en fait une connexion JDBC, c'est-à-dire une connexion Java Database Connectivity. Qui se passe sur java.sql.etoile. C'est pour charger. Vous avez fait P2, n'est-ce pas, PHP? Vous avez fait PHP 2. Oui, oui, mais... La théorie. Oui, mais vous... Non, non. Vous avez fait, en fait, une connexion avec Trifash avec P2, P2 exception. Non, dites bien quelque chose. Est-ce que vous avez fait juste même créer, pas exécuter, mais créer au moins P2, new P2 avec Trifash? Vous l'avez fait?
Vous faites un 18 sur 10, non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, jusqu'à 10 toujours, non. 10 sur 10. On ne l'a pas fait. Oh, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, c'est ce que vous avez fait. Regardez, suivez, suivez. Suivez. Bon, vous l'avez fait. Jusqu'à 10 toujours, on l'a fait, on n'a pas fait. Ils ne font jamais quelque chose. Voilà, même si un prof vient, vous avez fait JDV, on dit qu'on l'a fait, ma problème. Voilà, regardez très bien, pour si c'était en PHP. Ceci, regardez très bien, c'est le même principe. C'est très tâche, mais cette fois-ci, on définit ici de chercheur exception. Et on définit ici. Bon, comment on a les pourquoi on l'a jamais fait? Égal à New, on met ici PDO. Il ne fait jamais quelque chose, il donne toute la responsabilité au professeur. Bon, comment on a les et puis, genre, là, tu vois, on n'a jamais fait. J'ai commencé. Bon, en 1800, on l'a fait. Voilà. Regardez très bien, si le PHP, c'est comme ça. Puis, vous avez vu ceci. Le user n'a pas changé. Le mot de passe n'a pas changé. Ce qui a un peu changé, c'est l'URL. Et cette variable DNS que j'ai déclarée, voici en PHP comment on l'écrit. Dollar. Dollar DNS égale. Je l'écris comme ça. Regardez très bien l'équivalence. C'est MySQL. 2 points, host égale, vous mettez une variable, un exemple de la host. Bon, et comme la dernière fois, DB name, et bien, tout est avec quelque chose. DB name égale à dollar, une variable. Regardez très bien l'équivalence entre ces deux instructions. C'est presque la même chose. MySQL est là, MySQL est là. Ça, c'est local host, ceci, c'est local host. DB name est là, DB name est là. Et regardez très bien, Drive Manager, on reçoit les trois paramètres. L'URL qui est le DNS ici. Bon, là même, je peux dire ceci. Je prends un passe par URL. Et là également, je passe pas par URL. Il n'y a pas trop de différence. C'est presque la même chose. Ici, on dit New PDO. Là, on dit Drive Manager. Là, on écrit. Ceci ne bouge pas. C'est seulement ça qu'on change un peu. Ces deux paramètres. Sinon, c'est la même chose avec PHP. Et ici, on écrit le PDO exception. Là, on écrit exception. Même en PHP aussi, vous devez écrire seulement exception. Parce que PDO est à l'intérieur de exception. Voilà. PDO, c'est ce vous dire quoi? C'est une exception de type PDO. Voilà. Et PDO, j'ai tous ces connexions à une base de données. Donc, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Il y a certains qui ont insisté, on ne l'a pas fait. Voilà, vous avez vu que c'est pratiquement la même chose, il n'y a pas de différence. Ok, bon, avant de continuer, il faut charger ceci. Parce qu'on dit ceci, toi il a posé une question. Ceci sert à quoi? Class.forName. Je lui dis que ça permet de charger, mais lui il n'a pas continué, pas insisté. On charge quoi en fait? On charge quelque chose qui est à l'intérieur du projet. Qui doit être ici en fait, mais qu'on n'a pas. Si vous allez maintenant au niveau du dossier Java Outils From Sec, entrez dedans. Allez-y dans Java Outils From Sec, vous entrez dans le dossier pilote. Allez-y. Pilote. Vous allez voir là-bas JDBC Connector avec des versions. Java Outils From Sec. Vous allez voir un dossier pilote. Pilote, pilote. Un dossier pilote. Voilà, vous allez voir là-bas JDBC. Prenez la version 1.26. Non, non, il y a JDBC. C'est MySQL Connector en fait. C'est MySQL Connector. Prenez la version 1.26. Dans le dossier pilote. Dans le dossier pilote, il y a un MySQL Connector. Voilà, c'est ça le JDBC. Vous le copiez, vous le mettez dans votre projet. Le projet réel en fait. Copie. Et vous allez le mettre dans votre projet. Oui. Là se trouve votre projet, ou bien si vous ne le voyez pas, on va essayer ça. Je fais clic droit, précis, je pense que ça va marcher. Clic droit. Mais de toute façon, il faut parcourir pour rechercher. Clic droit, coller. Oui. Non, vous copiez, copiez, collez comme ça. C'est le projet, c'est ce que j'ai fait. Vous faites clic droit sur le projet et vous collez. Copiez ça, le MySQL Connector. Oui, 1.26. De toute façon, tous les trois marches, hein, mais on prend seulement la version la plus récente. Mais le 1.18 marche, 23 marche, 26 marche. Prenez le 1.26.
Hein? Hein? Si vous le collez, ça doit être dans le projet. Dans votre projet, là se trouve le projet physique quoi en fait. Oui. Hein? Non, il faut le coller seulement. Oui, le dossier du projet. C'est bon, on l'avait collé sur le projet. Voilà, on va l'ajouter maintenant comme référencier. Regardez, mais bon, moi ça est là, mais ça, bon, ceci vous dit seulement que bon, j'ai un connecteur qui est à côté, mais on ne l'a pas intégré dans l'application. Pour l'intégrer maintenant, suivez, c'est bon, vous avez collé. Faites clic droit maintenant sur votre projet. Faites clic droit sur le projet. Bulle de paf. Après delete. Bulle de paf. Et vous cliquez sur configure bulle de paf. Si vous faites clic droit, vous allez voir bulle de paf. C'est juste après delete. Juste après delete. Vous mettez le cliquet, vous cliquez sur configure bulle de paf en bas. Cliquez là-bas. Voilà, vous devez avoir cette interface. C'est bon? Cliquez sur librairie. Troisième onglet, librairie. Il y a source, il y a projet, il y a librairie, il y a order. Cliquez sur librairie. C'est bon? C'est bon, vous suivez? Voilà, cliquez sur Add External Jazz à droite. Deuxième option. À droite. Deuxième option. Add External Jazz. Il va vous demander maintenant de parcourir et de choisir le genre, le MySQL connector. Maintenant, vous savez, là, sur vos projets, n'est-ce pas? Entrez dans le projet réel. Moi, mes projets sont au niveau de mes documents. Si. Eclipse School, le projet s'appelle JDBC LPBO. Voilà, et voici le MySQL connecteur que je viens de coller. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir, appliquer, ok. Faut le sélectionner, ouvrir, appliquer, ok. Il faut parcourir jusqu'à entrer dans le projet que vous avez créé. Vous allez le voir là-bas. Suivez. Allez-y, sélectionnez, appliquez. Ok. Alors, si vous revenez maintenant ici au niveau du projet, vous allez voir ici, là, une librairie qui s'appelle Référence Librairie. C'est ajouté à côté, après le Java Eclipse. Il y a dit Référence Librairie. Voilà, si vous devenez maintenant, vous allez voir en MySQL Connector, oui. Dès que tu sélectionnes, tu cliques sur Ouvrir. Sélectionne. Ajouter quand même une référence, c'est simple ça. Tu fais parcourir seulement, tu entres dans ton projet, tu vas voir là-bas. Oui, appliquer, ok, tu dois le voir maintenant ici. Ok, c'est bon. Voilà, ceci veut dire quoi? Ça c'est la présence physique et ceci est la présence logique. Pour pouvoir manipuler ces classes, il faut d'abord monter en fait la classe ici. Comme ça que vous faites en fait monter avec le. Si vous travaillez avec votre. VirtualBox là. Là, c'est parce qu'on a monté en fait le driver, c'est-à-dire la classe. Et surtout, si vous oubliez en fait ce chemin d'accès, comme point MySQL, c'est facile de le retrouver. Dès que vous cliquez sur ce jar file, vous allez voir beaucoup de packages. Parmi ces packages, il y a le package comme point MySQL, point JDBC. Et si j'entre dans le package, je vais voir parmi les classes une classe qui s'appelle driver, D majuscule. D, A, B, C, D. Driver là. Donc, j'ai ici un paquet comme com.mysql.jdbc, c'est ce que j'ai écrit là. Et si j'entre dans com.mysql.jdbc, je vais voir maintenant la classe qui s'appelle driver. C'est tout. Tu fais clic droit, build path, configure build path. Et tu cliques sur librairie, add external jazz. Tu vas parcourir maintenant pour le sélectionner. Ok, bon, c'est pas grave.
dealer. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'écriture de l'équipe SQL. Donc, pour nous, ça, c'est un projet, Inch'Allah.